Hortus Focus. Hortus Focus présente. En fait, on m'a demandé d'intervenir au Grand Palais pour y faire une installation artistique. Et moi, ce que je voulais, c'était faire une hutte immersive. Donc, ça s'appelle Nouveau Monde parce que, quelque part, l'idée, c'est de provoquer les gens pour leur dire, voilà, c'est très important de prendre conscience du réchauffement planétaire. Et on le voit à travers le film qui est projeté, où on voit les images de la NASA que j'ai placées sur une map monde. Donc, on voit vraiment concrètement comment la planète chauffe. L'idée, c'est que les gens soient impactés par tous leurs sens émotionnellement, de sorte qu'après, ils regardent les solutions du salon de façon plus ouverte et qu'ils aient vraiment envie de participer au changement pour créer un nouveau monde tous ensemble avec des nouvelles solutions. Alors, le multisensoriel, c'est donc les plantes, hein, puisqu'on les touche. Elles sont vivantes, évidemment. C'est le son qu'on entend là derrière. C'est les images. C'est aussi un parfum de forêt qu'on a installé. Donc voilà, c'est tous les sens qui sont en éveil. Et c'est aussi le fait d'être sous une hutte végétale. Donc on se retrouve un petit peu comme si on était dans une nature originelle. Il y a ce côté d'être déplacé, d'être hors de la société, hors de nos problèmes de tous les jours, pour pouvoir un peu nettoyer notre mental du quotidien. Alors, on a utilisé principalement des Rhypsalis. Donc ce sont des plantes qui sont des épiphytes, qui poussent dans les arbres. Et leur principale qualité, c'est de tenir avec très peu de terre et de pouvoir se vivre juste avec l'humidité de l'air. Donc vous avez des plantes qui sont très robustes, de sorte qu'elles puissent tenir pendant une semaine sans problème. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la fin du salon, donc le jeudi 10, à partir de midi, toutes les plantes qui sont ici seront données à une association qui s'appelle Envol Vert et qui va les revendre pour la modique somme de 10 euros afin d'aider les populations qui sont en Amazonie à leur apprendre à exploiter la forêt, à en vivre sans la détruire. Voilà, donc il y a une bonne cause à la fin du salon. Je vous invite tous à venir pour acheter une plante.